Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va découvrir une nouvelle histoire qui risque d'être un petit peu triste parce que Katnapp va complètement partir de Home Sweet Home, va abandonner les Smiley Critters. Je sais pas du tout pourquoi est-ce qu'il veut faire ça. On va aller découvrir tout ça ensemble de toute façon. Donc let's go pour cette nouvelle histoire. On y va. Ok, c'est parti. Let's go. On découvre l'histoire. Je ne peux pas croire que je suis en train de faire ça. Au revoir, Home Sweet Home. Au revoir, Playcare. Et au revoir, les Smiley Critters. Mais attends, Katnapp, tu ne peux pas être sérieux, tu peux pas faire ça. Tu vas vraiment quitter Playcare? Et qu'est-ce qu'il en est de nous et de ta famille? C'est vraiment trop tard pour tout ça maintenant. J'ai déjà pris ma décision. Mais pourquoi est-ce qu'il doit partir? Je comprends pas là. C'est bizarre qu'il quitte comme ça tout le monde. Au revoir, les Smiley Critters. Vous m'avez retenu beaucoup trop longtemps. Je pars faire des choses beaucoup plus grandes et meilleures maintenant. Mais on peut pas laisser faire ça. C'est absolument horrible. Et en fait, on voit qu'il a... On dirait qu'il part, mais qu'il a déjà des regrets. Ça qui est bizarre. Il a dit à dans très longtemps, je crois, Dog Day. Ouais, mais tu l'as bien entendu. Il a déjà pris sa décision. Je suppose qu'il n'a jamais vraiment été un Smiley Critters, après tout. Il doit forcément y avoir une raison. Et j'ai trop envie de savoir, là. Je suis curieux. Je veux trop savoir ce qui se passe, là. Au revoir, Katnapp. Au revoir pour toujours. Mais non, je suis sûr que ça va s'arranger à un moment, c'est sûr et certain. N'est-ce pas mon petit Katnapp? En plus, regardez, il pleure. Et il y a forcément un truc, c'est bizarre, c'est bizarre. En plus, regardez, là, il va vraiment subir la dure réalité de la vie. Il a pas nulle part où aller, il est tout seul. C'est bizarre qu'il prenne une telle décision, tu vois. Et ça se voit qu'il est vraiment pas bien. Voilà, et en plus, ce genre de choses, ça va bien lui montrer que on est quand même mieux à Playcare. Enfin, eux, ils sont mieux à Playcare. Ah mais ouais, forcément, Dog Day, il va avoir plein de trucs qui vont rappeler Katnapp, la pancarte. Et allez, après la pluie, il y a de l'orage maintenant. C'est vraiment la galère pour Katnapp, là, le pauvre. Il est obligé d'aller se mettre dans un truc de train. Pourquoi, Katnapp? Pourquoi est-ce que tu nous quittes comme ça? Pourquoi? Oh, c'est quoi ça? Hein? Et qu'est-ce que... Attends, mais c'est une note? Cher Katnapp, aujourd'hui je vous présente un choix difficile. Quitter la factory une fois pour toutes, ou alors regarder vos amis subir d'une mort certaine. Ah mais c'est pour ça on l'a menacé, mais c'était sûr qu'il allait y avoir une raison, c'est évident. Je savais qu'il se passait quelque chose de louche par ici. Katnapp ne nous quitterait jamais s'il n'y était pas forcé. Il est notre protecteur. Il nous aime beaucoup trop pour pouvoir faire quelque chose comme ça. Hey wow, attends, ralentis Dog Day. On sait toujours pas d'où vient cette note. Cela nous fait poser une seule question. Qui a bien pu écrire cette note? C'était le PDG, c'était sûr. Mais c'était sûr, ça faisait trop longtemps qu'on l'avait pas vu en plus. Tout s'est passé exactement comme j'avais prévu. Ah, c'est le PDG! Oh, j'aurais dû savoir qu'il était derrière tout ça. Ce plan était vraiment astucieux, hein? Je sais pas ce qu'il a dit. Maintenant, ne bougez pas! Ne rendez pas ça plus difficile que ça ne l'est déjà. Ouais mais bon ils vont pas se laisser faire frérot, attends, là ils viennent de comprendre que c'est à cause de toi Katnapp est parti, tu crois vraiment qu'ils vont pas se défendre? Allez les Smiley Critters, nous on croit en vous. Hey, Dog Day, vite, lève-toi. On doit absolument partir d'ici, vite, cours. Hey, revenez ici les Smiley Critters. Vous ne pouvez pas vous sauver. Oh là là, ce PDG là, à chaque fois il est là pour mettre un bordel. C'est pas possible, j'espère qu'ils vont trouver un plan là pour pouvoir le piéger. Hey, vite, il faut aller dans Home Sweet Home, on devrait peut-être pouvoir s'échapper via l'usine. Ouais mais attends, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas Katnapp avec nous. Et sans Katnapp, on n'a absolument aucune chance de l'arrêter. Alors on devrait peut-être juste trouver une autre solution, hein, d'accord? Hey, Booba! Ne t'inquiète pas pour moi, Dog Day! Continue de courir! Va à l'usine et trouve un moyen de nous sauver! Allez, je t'ai attrapé! Ah, ce PDG, il me rend fou! Il faut vraiment qu'on réussisse à l'éliminer une fois pour toutes parce que il est insupportable! Au revoir, Dog Day! Mais tu ne pourras pas partir très longtemps! Allez, on retrouve Katnapp du coup. On va voir la POV des Smiley Critters et Katnapp. Oh, qu'est-ce que je fais ici? Comment est-ce que j'ai pu laisser mes amis comme ça? Je suis censé les protéger, n'est-ce pas? Mais là encore, celui qui a écrit cette note n'a pas mâché ses mots, n'est-ce pas? Eh, je ne pourrais pas supporter la culpabilité de savoir que je suis responsable de la mort d'un d'entre eux. Non. Concentre-toi, Katnapp, concentre-toi. Les notes disaient que si je quittais l'usine, les créatures, enfin les Smiley Critters seraient en sécurité. Donc bien sûr, je devais me sentir seul pour le reste de mes jours. Mais cela en valait la peine, si je sais que les Smiley Critters seraient sains et saufs. Oh oh. Ah là, ils sentent qu'il y a un truc qui tourne pas rond. En fait, il a menti le PDG. Non, ça a dû être un piège.
mais qu'est-ce que j'ai fait? Bah oui, en fait, même s'il est parti, le PDG s'attaque quand même aux Smiling Critters, tu vois. Donc finalement, autant se défendre tous ensemble, en gros. Alors finalement, Catnap, comme il est plus là, j'ai repris le contrôle de tout, je crois qu'il a dit un truc comme ça. Alors, truc Doc D, allez, Doc D, tu peux le faire, trouve un plan. Mais qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je ne trouve pas un moyen de libérer les autres Smiling Critters. Ils vont devoir subir une mort ardente. Ah, si je trouve pas un moyen. Et c'est comme ça. Ah, ce serait la pire mort possible. Je pense qu'en vrai, il mourrait brûlé. Ah, si seulement Catnap était là, il saurait quoi faire. Il est grand et fort et intelligent. Alors que moi, je suis juste inutile et petit. Et faible. Eh, hey, mais attends. Hey, mais qu'est-ce que je suis en train de dire là? Ah, c'est un jouet de Catnap, hein? Je pense que j'ai peut-être une petite idée. Il veut gazer peut-être le PDG, non? Bon, déjà, on a Crafty Corn et Booba qui se sont fait choper. Par contre, on sait pas du tout où se trouve Bobby B-Rug et Hopi. Ça ne sert à rien. J'ai pas compris ce qu'il a dit. Hey, regardez! Il est temps! Ah, ok, on a la passerelle qui arrive. Oh, il y a full dynamite dans la passerelle. Là, c'est extrêmement dangereux. Là, ça a pété très clairement. J'espère, misérable créature, que vous avez apprécié cet endroit le temps que vous y êtes resté. Car dans quelques minutes, j'ai fait exploser absolument tout l'endroit. Et sans Catnap, il n'en reste plus personne pour pouvoir m'en empêcher. Ah ouais? Tu ferais mieux de réfléchir à nouveau, CEO, PDG. Hey, qu'est-ce que... Voilà! Coup de pied de Doc Day, c'est comme ça qu'on calme un PDG. Incroyable. Et t'inquiète pas, il y a deux tours dans son sac. Tiens, misérable monsieur, ça devrait te faire du bien. Hé, hey, attends. Voilà, là, il va l'endormir, comme ça, au moins, ça le calme. Et là, il devrait le ligoter, là. Voilà, libère-le, mais après, ligote-le. Donc, bien joué, Doc D, t'as assuré. Ouais, t'as vraiment été génial. Je peux pas croire que t'as réussi à faire tout ça tout seul. Ouais, bien. Qui a dit que Catnap était le seul à être fort ici? Tu sais, je sais pas ce qu'il a dit. Chaque chien a... Je sais pas ce qu'il a dit, mais en tout cas, ils se sont fait karma, là. Enfin, il s'est fait karma. Bah, imbécile, il semble que ton gaz ne soit pas assez puissant pour pouvoir m'endormir. Et c'est vraiment dommage. Allez, vous pensez vraiment que vous êtes capable de m'arrêter tout seul? Vous pensez vraiment que j'allais me faire arroser par un petit peu de gaz? Oh oh, là on a Catnap qui est de retour. Et là tu vas passer un seul moment, mon ref. Comment on se retrouve? Ah non, bonne nuit, il a dit. Et là il l'endort pour de bon. Oh Catnap, t'es là? Attends, t'es vraiment revenu pour nous sauver? Il est trop fort, Catnap, en vrai, c'est vraiment le boss. Mais ouais, vous inquiétez pas, les gars, j'allais pas vous laisser. Moi, j'étais tellement inquiet pour toi, Catnap. Mais je savais que tu nous abandonnerais jamais. J'ai réalisé qu'il devait y avoir forcément quelqu'un derrière tout ça. Mais oui, je suis parti seulement parce que je pensais que je devais le faire pour assurer votre sécurité. Mais maintenant, j'ai appris une leçon. Et plus jamais, je ne laisserai l'un d'entre vous hors de ma vue. Parce que je préfère subir une mort enflammée que d'être sans mes meilleurs amis. Eh bien, en parlant de mort enflammée, on a de plus gros problèmes là. What? Ah mais oui, c'est vrai qu'attends, il y a la dynamite encore qui doit exploser, je crois, non? Oh non, ça sent pas bon du tout. Qu'est-ce qu'on devrait faire, Catnap? Il devrait bien y avoir un moyen d'éteindre cette minuterie. Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'on pourrait peut-être envoyer le chariot à la surface si nous tirons ce levier. Alors on a besoin de trouver un moyen d'y arriver. Ok, donc là ils ont réussi à faire monter la passerelle. Et hey, qu'est-ce que... Ah non, c'était pas prévu. Elle bouge toute seule. Ouais, qui a fait ça? Ah, c'est Doc D, le boss. Ah là. Doc D, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Je pense qu'il essaye de se sacrifier. Eh hey, non, pas de temps, je serai là. Vas-y, Catnap, sauve-le. Eh, hey, qu'est-ce que tu penses faire, Doc D? Je dois absolument sortir de là. Ah ouais, en gros, je veux tous vous sauver. Mais... T'as tous nous sauver? Ouais, avec au départ, je savais que je devais intervenir et être le leader que j'aurais dû être. Mais je n'ai pas réussi à sauver les autres du PDG sans ton aide. Alors, je dois faire cette dernière chose pour faire en sorte que vous soyez tous sains et saufs. Ah, oh, Doc Day. Je comprends ce que tu ressens, mais il n'y a aucune raison pour que tu meures encore en sauvant les autres. Maintenant, viens sur mon dos. Eh, mon Dieu, mais on est si haut. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Mais il faut sauter, les gars, hein. Je pense que bon, vous pouvez terminer avec une jambe cassée à la limite. Qu'est-ce qu'il fait? Attends, me dis pas que ça va lui servir de sorte de parachute, son truc. Ah, mais si. Incroyable, il est dans Fortnite, le frérot. Elle est sortie du bus, du battle bus. Ouais, let's go. Et bah voilà, tout finit bien, en vrai. Comme d'habitude, ça fait plaisir. Ah, je vous aime vraiment, les gars. Nous, on t'aime aussi, Catnap. Et voilà, là, c'est une bonne fin, les amis, une fin heureuse, et c'est ça qu'on veut. Ça fait trop plaisir de les voir réunis, sains et saufs. Bon, écoutez, l'histoire était vraiment trop cool. Ça me semblait évident que Catnap n'allait pas partir pour de bon. Dans les histoires de GameToons, ils sont big potes. Voilà, il y avait forcément une raison. C'est encore une fois le PDG. À chaque fois, il est là, il aborde de nouveaux plans à chaque fois. Mais c'est bon, ils ont réussi à s'en débarrasser. Du coup, bah, j'espère que vous avez kiffé cette histoire, les amis. Si c'est le cas, me dites tout ça dans les coms. N'hésitez pas à laisser un like, commenter, abonnez-vous, activer la cloche, et n'hésitez pas à aller voir la chaîne de GameToons. J'espère qu'on aura l'occasion encore de découvrir plein d'autres histoires, parce que franchement, elles sont vraiment cool. Donc voilà. En attendant, bah, je vous retiens pas plus. Prenez soin de vous d'ici là, les BG, portez-vous bien et à très vite, ciao ciao!